Bonjour et bienvenue à cette 19e rencontre de Chaminade-Ours. Prononcer ce mot 19, pour moi, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et avant toute chose, je voudrais remercier Olivier Rollin et ses invités qui sont tous là, ses invités intervenants. Sans eux, je crois que ces rencontres n'auraient pas le même goût, la même. Et je voudrais aussi remercier ce comité scientifique qui est formé par François Hartog, Pierre-Gilles Lacombe et Isabelle Delatouche, ainsi que toute notre belle équipe chaminadourienne, vraiment, dont certains sont là depuis 19 ans. Et un remerciement personnel à Valérie Simonet, notre présidente du conseil départemental de la Creuse, qui a bien voulu assister à cette présentation, cette conférence inaugurale d'Olivier Rollin. Voilà. Donc on commence ainsi ces 19e rencontre de Chaminade-Ours, Olivier Rollin, sur les grands chemins de Homère. Bon, je vous remercie à mon tour d'être là. Bon, naturellement, ce truc ne marche pas. Ça marche, bon. Voilà. Et je remercie donc tous ceux qui m'ont invité. Et je remercie aussi François Martouret, que je ne vais pas présenter, bien sûr, parce que tout le monde le connaît. Mais j'ajouterais simplement, parce que tout le monde ne sait pas forcément, que c'est un grand et vieil ami. Et pas si vieux. C'est son anniversaire, comme aujourd'hui. Mais on ne vous dira pas l'heure. Et donc, je lui ai demandé de lire tout ce qui est citation, de façon à m'éviter de faire des petits gestes ridicules pour dire ça c'est une citation, après c'est moi qui parle, etc. Donc ce qui est citation, que ce soit d'Homère ou de commentateur d'Homère ou d'écrivain, etc., sera lu par François. Le ridicule, ce sera moi. À l'exception de quelques citations qui sont tellement intégrées à une phrase que ça aurait désarticulé ma parole. Et donc, dans ce cas-là, c'est moi qui les lirai. Voilà. J'utilise la traduction de l'Iliade de Paul Mazon et la traduction de l'Odyssée de Bérard, en dépit de toutes les réserves qu'on peut faire. Mais enfin, c'est tout de même une belle traduction et c'est celle que j'utilise. Alors, je ne suis pas un savant. Voilà ce que je dois dire d'emblée. Des savants, hellénistes, philosophes, historiens vont nous parler d'Homère après moi, qui ne suit rien de tout ça. Ma connaissance du grec ancien remonte aux lointaines années où j'étais cagneux. J'en sais à peine plus désormais que cet Homère devenu un misérable vieillard cavernicole que Borges, l'autre grand aveugle, imagine dans un conte étrange intitulé « L'immortel » et qui a presque oublié la langue dans laquelle il a composé plus de 1000 ans auparavant l'Odyssée. Ces grands chemins qu'on m'a demandé de frayer, je les parcourrai en tant qu'écrivain, ni plus ni moins. C'est-à-dire sans prétention à quelque science que ce soit, guidé seulement par ma relecture attentive des deux grands poèmes homériques, par le goût très ancien que j'ai pour eux, par les échos que leurs vers font résonner en moi. Je ferai peut-être, et même sûrement, chemin faisant, des rapprochements incongrus ou qui paraîtront tels, mais à mes yeux, ils ne le seront pas. Lire et aimer la littérature, c'est accueillir en soi librement toutes les rêveries qu'elle suscite, tout le tintamarre d'échos que ces mots font lever.
tout grand texte est une machine à voyager dans la littérature. Merci. Au début du chant 2 de l'Iliade, les grues, fuyant l'hiver et ses averses de déluge, qui à grands cris prennent leur vol vers le cours de l'océan, si elles éveillent en moi le souvenir des grues frileuses méditant beaucoup, qui pendant l'hiver volent puissamment à travers le silence du premier des chants de Maldoror, il n'y a là, à mes yeux, nulle incongruité, ou alors cette incongruité-là, je la revendique comme étant l'expérience même de la grande liberté de la littérature. Et je sais bien que ce mot de littérature que j'emploie pour désigner les poèmes d'Homère, ce mot est lui-même incongru ou au moins anachronique, que ni l'Iliade ni l'Odyssée n'étaient sans doute, lorsqu'elles furent composées, des textes écrits, ni n'étaient donc destinés à être lus. Evelyne Scheid et Manon Brouillet, qui parleront, Evelyne cet après-midi, Manon demain, nous l'expliqueront peut-être. Mais c'est ainsi, moi qui ne suis pas un grec des temps anciens, que je les connais, comme des livres que je peux prendre dans ma bibliothèque et dont je peux tirer solitaire sous ma lampe un plaisir comparable à celui que j'éprouve à lire Guerre et Paix ou Moby Dick. Et c'est une expérience tout à fait différente, mais pas moins excitante, que de les entendre psalmodier ou proférer ou chanter, comme le fait Emmanuel Lascoux avec Jacques Bonafé. J'avais demandé de l'eau, pardon, mais excusez-moi, c'est hors texte, ça. Voilà. Comme les admirateurs de Stendhal se partagent entre rougistes et chartreux, écrivait Pierre Vidal-Naquet, les admirateurs de l'Iliade sont indifférents à la lecture de l'Odyssée et réciproquement. Je ne serai pas si catégorique, mais il est vrai que les émotions que je ressens à la lecture de l'une et de l'autre épopée sont d'une nature et d'une intensité différentes. Les suites funestes de la colère d'Achille touchent en moi quelque chose de plus profond que les aventures d'Ulysse sur le long chemin du retour. Ce n'est pas, je crois, l'opinion dominante. On se souvient de la question de Valérie à Gide : connais-tu rien de plus embêtant que l'Iliade ? J'admire l'intelligence de Paul Valéry, mais sa question, si elle est avérée, je ne sais pas d'où ça sort, mais si elle est avérée, me semble bien française, au sens que Baudelaire donnait à cet adjectif quand il écrivait français. Français veut dire vaudevilliste, et vaudevilliste est un homme à qui Michel-Ange donne le vertige. Il faut, à mon avis, avoir en soi quelque chose d'un vaudevilliste pour n'être pas frappé au sens fort et presque physique du terme, le tambos où il y a de l'admiration et de l'effroi, par cette grande pavane d'orgueil et de mort qu'est l'Iliade, la seule épopée véritable que possède l'Occident, selon la philosophe Simone Weil, qui ajoute « L'Odyssée semble n'être qu'une excellente imitation, tantôt de l'Iliade, tantôt de poèmes orientaux. » Et là, je ne puis être d'accord avec elle, tant l'Odyssée me semble profondément différente et originale. Je me range plutôt à l'avis de l'écrivain et critique italien Pietro Citati, qui, les admirant toutes deux, distingue si nettement les deux épopées, qu'il leur assigne deux auteurs différents, qu'il nomme le premier Homère, celui de l'Iliade, et le second, celui de l'Odyssée. À la lecture de l'Odyssée, écrit-il dans La pensée chatoyante, aucun passage ne vient nous rappeler, pas même de façon vague ou lointaine, le courage, la force, la grandeur du premier Homère. Mais avant de discuter ce point, allons tout de suite à ce qu'il y a dans l'Iliade de plus rébarbatif pour les habitudes de lecture vaudevillesque. Chant 2, le catalogue des vaisseaux. Voici la traduction des 10 premiers vers. Les Béotiens ont à leur tête les Pénéléos, Éléïtés, Arcésilas, Protonéo et Clonios. Ce sont les gens d'Irie et d'Olys, la rocheuse, de Chêne, de Skol, de la Montrueuse, Éthéon, de Thespi, de Gré, de la vaste Mycales, les gens du pays d'Armes, d'Ilésis et d'Érythre, ceux d'Éléon aussi, d'Ilée, de Pétéon, d'Ocalée et de Médéon, la belle cité, de Cop, de Trésis,
de Tisbé riche en colombes, et ceux de Coronet, de l'herbeuse Aliart. 26 noms propres, 5 de chefs béotiens, 21 de cités. Dans tout le catalogue, il y a 48 noms de chefs et 150 toponymes. Dans toute l'Iliade, je ne sais combien, je n'ai pas eu la patience de les compter, mais beaucoup, énormément. Ces essaims de noms, aussi nombreux, aussi serrés que les vols de javelines au-dessus de la gueule géante de la bataille, Ptolémoio Megastoma, sont évidemment un moyen efficace de rendre sensible l'immensité de l'armée qui débarque sur le rivage de Troie. Ce raffut onomastique sonne comme un écho textuel du fracas dont résonne l'Iliade, choc du bronze contre le bronze, crise effroyable que poussent héros et dieux dans la douleur ou la rage ou le défi. Mais au-delà, il y a un effet hypnotique, une stupeur, créée par cette litanie de noms hirsutes, ce hérissement de sons qui, pour nous, lecteurs modernes, semble au sens strict barbare, c'est-à-dire inintelligible, et qui se poursuit au long de 265 vers. Valéry trouvait cela embêtant. Je crois qu'il eût été mieux inspiré de reconnaître là cette tendance à former des discours non humains et en quelque sorte absolus qu'il trouve chez Hugo et Mallarmé. Discours, ajoute-t-il, qui suggère je ne sais quel être indépendant de toute personne, une divinité du langage qui illumine la toute-puissance de l'ensemble des mots. Ce qu'Homère appelait la muse en somme. Et Philippe Jacotet, dans l'introduction à sa traduction de l'Odyssée, il parle pour l'Odyssée, mais ça me paraît tout à fait vrai aussi pour l'Iliade, et notamment pour ce catalogue, de la transformation d'un langage qui va de l'incantation au récit. Je pense que Claude Simon n'aurait pas partagé l'ennui de Valéry. Et vous allez voir jusqu'où va ma fantaisie. Je serais enclin à croire que Michaud se souvenait de l'effet d'envoûtement des énumérations homériques lorsqu'il consignait les observations de zoologie fantastique de mes propriétés. Là, je rencontrais les flises, les bourrabous, les cournouacs, les buresques écrasés et poilus comme des paillassons, les noisies et les ptériglottes, les burbunes qui chevauchent comme des vagues et sont couverts de longs poils blancs soyeux, les chérinaux et les barabates, etc. Et il est encore question de grues dans ce texte. Oui, les hurvelles, qui volent comme les grues, mais ne sont pas si gros qu'une noisette. Mais j'arrête avec les grues, nous ne sommes pas ici à un congrès d'ornithologues. Redevenons sérieux. Qu'est-ce que Citati désignait par le courage, la force, la grandeur du premier Homère ? Ces termes un peu vagues. Il fait allusion au dernier chant de l'Iliade, celui où Priam va supplier Achille de lui rendre le cadavre de son fils mort. Le dieu Hermès a guidé le vieux roi dans la nuit jusqu'au camp des Achéens. Il est venu à sa rencontre sous les apparences d'un jeune prince, lors d'une halte au bord du Scamandre, le fleuve qui traverse la plaine devant Troie. J'évoque ce détail parce que dans le passage qui décrit les circonstances de la rencontre, il y a un vers qui suscite un nouveau court-circuit dans ma mémoire, avec un poème cette fois que chacun ou presque reconnaîtra si je dis qu'il est cher à notre camarade Pierre Michon. Ils arrêtent au fleuve mules et chevaux pour les faire boire. L'ombre déjà est tombée sur la terre. Image de paix auguste et solennelle avant la scène dramatique qui va suivre. Maintenant, Priam est devant Achille, dans sa baraque, il lui prend les genoux, il baise sa main. Il faut se représenter la scène. Achille est un tueur, le tueur de tous ses fils, et du plus chéri et plus valeureux d'entre eux, Hector. Non loin, s'il vous plaît. Téléphone. Non loin, nu, face contre terre, il y a son cadavre, que les Achéens ont lardé de blessures, qu'Achille a traîné derrière son char, qu'il traîne encore chaque jour autour de la tombe de Patrocle. En dépit des soins que les dieux, soudain miséricordieux, lui prodiguent pour l'empêcher de se corrompre,
Il doit être aussi effrayant, ce cadavre, que celui livide, moucheté de blessures, du crucifié du retable de Grunewald, connu comme le retable d'Isenheim. Le vieux roi à genoux évoque la douleur du père d'Achille qui se languit de son retour. Et chez Achille, il fait naître un désir de pleurer sur son père. Achille pleure, est devenu un fils, il accède à la supplique de Priam. Il lui rend le corps de son fils. Ce qui est une grandeur bouleversante, ce sont les regards de mutuelle admiration que finissent par se jeter Achille et Priam. Ce sont les mots qu'ils échangent. J'ai osé, moi, dit Priam, ce que jamais encore n'a osé mortel ici-bas. J'ai porté à mes lèvres les mains de l'homme qui a tué mes enfants. À quoi Achille répond par des mots de compassion, un sentiment qu'on n'aurait pas imaginé chez lui. Et toi-même, vieillard, ne le savons-nous pas? Tu fus heureux, naguère. Voici que la haine se retourne en respect. Voici que le courage est de côté non de la mort, mais de la pitié. Que le génie de la mort admire cette piéta qu'est le vieux roi déjà vaincu, brisé par la souffrance, et qui imagine son cadavre bientôt déchiqueté par ses propres chiens. Lire est pire que lire. L'Iliade s'achève, la geste sanglante se referme dans l'amère douceur des larmes. Au début, un vieillard, le prêtre d'Apollon, venu en suppliant, est chassé avec des mots de menace, la rançon de sa fille refusée. À la fin, la supplique du vieux Priam est écoutée, la rançon de son fils acceptée. Au début, la peste arrête pendant 10 jours les travaux de la guerre. À la fin, c'est la trêve consentie pour les funérailles d'Hector. Au début, la jolie Briseis s'est arrachée à Achille. À la fin, elle va s'étendre à ses côtés, au fond de sa baraque solide. Au début, la colère d'Achille. À la fin, la mansuétude d'Achille. Au début, les chefs achéens se querellent et s'insultent. À la fin, les femmes de Troie se lamentent. Au début, Priam réconforte Hélène qui tisse une pièce retraçant les épreuves des Troyens et des Achéens, l'Iliade en somme. À la fin, Hélène pleure avec Priam, qui a toujours été pour elle aussi doux qu'un père. Au début, les bûchers funèbres sans relâche brûlent par centaines. À la fin, s'allume le bûcher funèbre d'Hector. Au premier vers, le nom du Péléide d'Achille, au dernier, celui d'Hector, dompteur de cavale. Un secret mouvement circulaire anime l'Iliade, qui fait reparaître des premiers aux derniers chants, comme autant de variations, des motifs ou des figures semblables, transformées, symétriquement opposées. À l'instar du bouclier qu'Héphaïstos forge pour Achille, elle est un immense cercle d'images mouvantes, dont le tour se boucle en 15 000 vers. Un dieu aveugle l'a ouvré, fruit de ses savants pensées. Il y a sur ce bouclier de mots plusieurs grandes scènes nocturnes. Par exemple, à la fin du chant 8, la vision des feux du camp troyen assiégeant les nefs achéennes. 1000 feux brûlent dans la plaine et 50 hommes sont groupés autour de ces lueurs de feu ardents. Les chevaux, debout près des chars, attendent, en mangeant l'orge blanche et l'épeautre, aurore au trône d'or. Mais les deux nuits les plus dramatiques sont celles de l'entrevue de Priam et d'Achille et celles du chant 10, couramment appelé d'Olonie. Elles s'opposent l'une à l'autre comme la férocité à la pitié, l'animalité à la douloureuse humanité. Dans cette nuit d'angoisse où flamboient les feux troyens, les héros que d'habitude revêt le bronze se couvrent de peau de bête, la fauve dépouille d'un grand lion roux pour Agamemnon et Diomède, celle d'une panthère tachetée pour Ménélas. Ulysse et Diomède partent pour ce qu'on appellerait aujourd'hui une opération spéciale dans le camp ennemi. Le casque de l'un est en cuir de taureau, celui de l'autre est hérissé de dents de sanglier. Ils se mettent en route, pareil à deux lions, à travers la nuit sombre, par le carnage et les morts,
par les armes et le sang noir. Ils sont devenus des demi-fauves et l'espion troyen qu'ils vont d'abord tuer, Dolon, est lui-même couvert d'une dépouille de loup gris et d'un casque en peau de martre. La vie animale grouille dans l'Iliade, dans l'Odyssée aussi, avec même un chien, Argos, qui est un personnage si émouvant qu'Apollinaire de lui se souvint. C'est un monde où bêtes, hommes et dieux se côtoient. Lions et sangliers, symboles du courage. Chiens et vautours, déchiqueteurs de cadavres. Oiseaux, porteurs de présages. Bovins qui fournissent les victimes des sacrifices. Moutons et béliers qui aideront Ulysse à se tirer d'un mauvais pas. Chevaux qui tirent les chars et dont les plus beaux, les immortels chevaux d'Achille, pleurent sur les malheurs des hommes, suscitant la pitié de Zeus. Pauvre bête, pourquoi vous ai-je donné à un mortel ? Rien n'est plus misérable que l'homme entre tous les êtres qui marchent et respirent sur la terre. Dolon espère présomptueusement se les approprier. Pauvre sot, Népios. C'est un lâche, une sorte de pendant troyen du lamentable Tercite qu'Ulysse a corrigé au champ 2. Capturé, il espère avoir la vie sauve en donnant des renseignements sur le camp des Thraces alliés des Troyens. Mais il cherche encore à parler que déjà sa tête est dans la poussière. Ulysse planque ses dépouilles en haut d'un tamaris, il laisse un signe, un nœud de roseau, pour pouvoir retrouver son butin au retour, après qu'ils auront fait un massacre de guerriers Thraces endormis. Il ne perd jamais le nord, Ulysse. C'est un esprit pratique, ingénieux. Et d'autre part, il a grand souci de ne rien laisser perdre, butin ou présent. Il a un côté près de ses sous. Il montrera ses traits de caractère plus amplement dans l'Odyssée. Et peut-être, je ne sais pas, je m'avance peut-être, mais peut-être Vincent Delcroix, dans sa communication sur le portrait d'Ulysse en petit bourgeois, en parlera-t-il, je ne sais pas. Mais ce n'est pas tant cela que je veux souligner ici que l'extrême plasticité et précision de la vision d'Homère, capable aussi bien de faire un panoramique sur l'immense tumulte de la bataille que de mettre au point sur un détail extraordinairement concret, trivial même, les roseaux noués, d'avoir le regard absolu de Zeus du haut du mont Ida, comme le regard affairé d'un homme au ras du sol. Il y a peu d'écritures qui soient capables de varier ainsi la focale. Parmi les contemporains, je pense une fois de plus à Claude Simon. En général, elles sont réglées, ces écritures, pour une certaine distance, en deçà et au-delà de laquelle ça ne marche plus, l'image se brouille. Si l'Iliade est une machine de langue qu'un écrivain ne peut visiter sans émotion, c'est entre autres parce qu'elle est douée de cette impressionnante capacité à changer la profondeur de champ. Et maintenant, revenu du carnage au camp achéen, Ulysse et Diomède entrent dans la mer. Ils y lavent la sueur abondante qui couvre leurs jambes, leur dos et leurs cuisses. La mer, l'Odyssée, chacun le sait, est un poème de la mer. Valérie, qui ne la trouvait pas ennuyeuse, elle, aimait sa beauté marine. Les premiers vers le proclament. C'est l'homme aux mille tours, muse, qu'il me faut dire, celui qui sur les mers passa par tant d'angoisse. La mer aux poissons, la mer inféconde, au large d'eau, le gouffre de la mer, la mer qui est parfois dite blanche ou noire ou grise, ou couleur de vin, jamais bleue, pas de lieu commun chez Homère. La mer est ce qu'il y a entre elle, d'île en île, et jusqu'aux enfers, les aventures d'Ulysse, telles qu'il les raconte aux Phéaciens. Elle est ce qui assemble, comme Homère lui-même, dont le nom, je m'en rapporte ici à Pierre Judet de Lacombe, pourrait signifier « celui qui assemble ». Elle est si diverse, si insaisissable, à l'image de Protée, le vieux de la mer, que plusieurs noms la désignent. Thalassa, que Xénophon rendra célèbre jusque chez les non-hellénistes, Pontos et encore Hals. Elle forme si évidemment l'espace humain concevable que l'ultime épreuve d'Ulysse, révélée par le devin Tirésias lors de l'escale aux enfers qui ouvre le champ 11, sera de repartir avec sa bonne rame à l'épaule et marcher tant et tant qu'à la fin,
il rencontre des gens qui ignorent la mer. Autant dire au diable Vauvert. Et la mort le prendra ex alos, venu de la mer ou hors de la mer, selon les traductions. Elle est, la mer, le lieu de la vie heureuse des Phéaciens, ce peuple proche des dieux dont la passion n'est pas l'arc et les flèches, mais les rames, les mâts, les navires harmonieux. Elle est l'espace de la liberté conquise à la fin du chant 2 par un Télémaque débarrassé enfin de la surveillance des prétendants et peut-être aussi de sa mère M-E-R-E, lorsque son bateau file au milieu de la nuit, poussé par la brise d'Athéna qui gonfle la voile blanche. Dans les bouillons du flot qui sifflait sous l'étrave. Et là, je ne peux m'empêcher de penser au vers formidablement allitératif de l'Ancient Mariner de Coleridge. The fair breeze blew, the white foam flew, the furrow followed free. La douce brise soufflait, l'écume blanche volait, le sillage filait libre. Elle est aussi, la mer, le domaine de la mort, des monstres mangeurs d'hommes, telle cette Scylla à six têtes carnassières au bout de six coups de serpent contre laquelle Circé met en garde Ulysse. Jusqu'au fond des bateaux, à la proue azurée, chaque gueule du monstre vient enlever un homme. Et dont Hugo se souviendra au moment de créer la pieuvre majuscule des travailleurs de la mer. Il a, Hugo, cette phrase magnifique. À de certains moments, on serait tenté de le penser, l'insaisissable qui flotte en nos songes rencontre dans le possible des aimants auxquels ses linéaments se prennent et de ces obscures fixations du rêve, il sort des êtres. L'autre monstre du roman, l'écueil des Douvres, d'où se dégage une sorte de toute-puissance tragique, tiendrait plutôt de Charybde. Et en fait, cet écueil réunit Charybde et Scylla, puisque c'est un écueil qui crache la mer, et c'est aussi le gîte de la pieuvre Scylla. La mer de l'Odyssée est encore l'espace angoissant qui, à chaque moment, peut s'ouvrir pour engloutir, faire crouler sur le bateau la voûte de mort d'une vague. Et c'est en naufragé deux fois qu'Ulysse aborde d'abord Ogygie, l'île de Calypso, ensuite Skéry, celle des Phéaciens. Et dans ce dernier cas, la précision des détails est si grande, le grondement des brisants, les nuages d'écume, le flot qui le jette contre un rocher auquel il s'agrippe, le ressac qui l'en arrache tout meurtri, la nage ensuite le long de la côte jusqu'à trouver l'embouchure sableuse du fleuve où le flot s'apaise et où ne va pas tarder à paraître la divine Nausicaa, qu'on aurait du mal à croire que l'un de ceux que nous appelons Homère n'a pas connu cette expérience. Les naufrages, les monstres, les magiciennes, la partie du poème connue comme les récits chez Alcinoos, c'est le côté roman d'aventure de l'Odyssée qui en attend. Elle est polutropos, comme Ulysse, l'homme aux mille tours, qualificatif qui désigne à la fois l'agilité de son esprit et l'étendue de ses voyages, mais je constate que le premier sens de ce mot que mentionne le dictionnaire Bailly, c'est qui se tourne en beaucoup de sens en parlant du poulpe. La pieuvre, décidément, ne nous lâche pas. C'est par là que l'Odyssée se prête à une lecture plus facile, moins embêtante que l'Iliade, et aussi à une exploitation cinématographique à grand spectacle, dont Jean Perret nous donnera un aperçu demain et samedi. Quelle idée a guidé Homère dans l'Odyssée, s'interroge le personnage du producteur dans Le Mépris de Moravia. Il a voulu raconter des aventures qui tiennent sans cesse le lecteur en suspens, une histoire, disons, spectaculaire. Et naturellement, nous sommes, comme le narrateur du roman, en désaccord avec cette vision superficielle et commerciale des aventures d'Ulysse, comme aussi avec celle grossièrement freudienne du réalisateur qu'interprète Fritz Lang dans le film de Godard, qui voit l'histoire de ses rapports avec sa femme. En réalité, peut-être sans s'en rendre compte, Ulysse ne tenait pas à revenir chez lui, ne voulait pas retrouver Pénélope. Son fameux esprit d'aventure n'est en vérité qu'un désir inconscient de ralentir son voyage.
D'ailleurs, est-il si évident que l'Odyssée trouve son dénouement dans les retrouvailles d'Ulysse et de Pénélope ? Daniel Mendelssohn, l'auteur des Disparus, qui enseigne les lettres grecques à Bard College dans l'État de New York, suggère, dans son dernier livre paru ici, une Odyssée. Que si elle est bien une histoire de mari et de femme, cette épopée est tout autant, sinon plus, une histoire de père et de fils. Il est vrai que le livre de Mendelssohn raconte avec humour et érudition le séminaire qu'il donne sur l'Odyssée et auquel son père lui a demandé la permission d'assister en promettant qu'il n'y interviendra pas, promesse que naturellement il s'empresse de ne pas tenir. Mais on peut soutenir en effet, sans esprit de paradoxe, que le fin mot de l'Odyssée, ce sont les retrouvailles d'Ulysse avec son fils Télémaque et son père Laërte. Ce serait, c'est aussi, quoi qu'il en soit, une histoire de génération. Le garçon, l'adulte, l'ancêtre, les trois âges de l'homme. Le grand historien Moses Finlay remarque que la relation entre Ulysse et Pénélope n'atteint jamais la profondeur et l'intensité qui marquent l'affection entre père et fils, d'une part, entre un homme et son compagnon masculin, d'autre part. Mais admettons qu'Ulysse et Pénélope sont bien les deux protagonistes du poème, qui trouveraient sa conclusion dans la nuit prolongée qu'Athéna leur ménage après le massacre des prétendants, dans le fameux lit construit sur un tronc d'olivier. L'aurore, aux doigts de rose, les eut trouvés pleurant, sans l'idée qu'Athéna, la déesse aux yeux pères, eût d'allonger la nuit qui recouvrait le monde. Invention magnifique, dont j'aurais l'impertinence de rappeler qu'elle trouve un très lointain écho jusque dans un tube de notre Johnny National. Cette nuit nouvellement nuptiale est la dernière grande nuit des deux épopées, celle de l'amour retrouvé, après celle féroce de la Dolonie, celle miséricordieuse de la rencontre d'Achille et Priam, et celle proprement poétique des récits chez Alcinoos. La longue nuit qui vient n'est pas près de finir, dit à Ulysse le roi des Phéaciens pour l'inviter à poursuivre la narration de ses aventures, qui est le cœur de l'Odyssée. Ulysse est un conteur nocturne. La nuit est le temps où le poème efface le temps. Sinbad le marin tiendra de lui, mais aussi Scheherazade. Admettons cela, cette centralité du couple Ulysse-Pénélope, qui est la leçon la plus couramment admise. Toutes les variations sont encore possibles, jusqu'au plus éloigné de la lettre et probablement de l'esprit d'Homère. Dans l'Ulysse de Joyce, qui n'est que le plus impressionnant, le plus génialement déformé aussi des échos que continue de faire retentir le prodigieux coup de gong du poème homérique, Molly Bloom ne pratique guère l'intransigeante abstinence de Pénélope, pas plus que la roublarde Homère qu'invente Giono vers la même époque dans cette fable triviale et poétique qu'est naissance de l'Odyssée. Quant à leurs Ulysse respectifs, timides courtiers en publicité pour l'un et marchands de cochons baratineurs pour l'autre, il serait difficile de reconnaître en eux la prestance du vainqueur de Troie. Il faut peut-être voir là cette volonté d'avilissement, d'abaissement, de profanation qui caractérise la modernité, selon le narrateur de Moravia. Quoi qu'il en soit, ces modernes incarnations des grandes figures de l'Odyssée atteste qu'Homère est toujours le patron, pour reprendre l'expression de Peggy, le patron dans les deux sens du terme, le chef et le modèle. Les histoires sont quatre, dit Borges dans L'or des tigres. Pendant le temps qui nous reste, nous continuerons à les raconter, transformer. Ces quatre histoires sont celles de la chute d'une ville que ses défenseurs savent condamner, trois, celle du retour dont Ulysse est le modèle, celle d'une recherche, Jason et les Argonautes, le cimorgue de la conférence des oiseaux de Farid al-Din Attar, le Graal, Moby Dick,
celle du sacrifice d'un dieu, Attis, Odin, le Christ. Homère, selon Borges, serait donc l'auteur, en quelque sens qu'on entende ce mot, de deux des quatre grands archétypes. Et le paradoxe est que, étant le plus ancien dans ce que nous appelons la littérature, il est du même coup l'inventeur primordial. Il est le classique absolu en même temps que la figure du révolutionnaire absolu. Mais on s'est éloigné de la mer et c'est d'elle que j'avais commencé à parler. C'est comme ça, je suis sinueux comme le poulpe, moi aussi. Ce que j'avais en tête, c'est de montrer que si elle constitue le lien entre les épreuves d'Ulysse et quelquefois l'épreuve elle-même, si elle est donc la toile de fond de l'Odyssée, sa présence est constante aussi dans l'Iliade, et qu'elle forme ainsi le grand médium qui relie entre elles les deux épopées si différentes par leurs figures humaines. De même qu'au bord du bouclier d'Achille, sur son cinquième cercle, Héphaïstos a figuré le fleuve Océan. De même, la mer retentissante forme le bord du paysage de l'Iliade, très nettement dessiné, bande après bande. Tout au fond, le rempart de Troie, puis la plaine où coule le Scamandre et où se dresse solitaire un figuier sauvage, puis le fossé et le mur de bois protégeant le camp achéen, les baraques, la grève où sont échouées sur plusieurs lignes, tant elles sont nombreuses, les nefs creuses, cornues, noires, à la double courbure, aux bons gaillards, aux joues vermillonnées, comme celles des jeunes filles. La mer est la limite de l'espace de la guerre et la marge du poème. C'est le long du rivage où bruit la mer, par Athina Polyflois Boio Thalassès, que fuit, au début du chant 1, le prêtre d'Apollon, à qui Agamemnon a refusé de rendre sa fille. C'est sur ce même rivage, par Athinalos, que les guerriers de retour du combat éventent la sueur qui trempe leurs côtes en se tenant debout contre le vent, et quelle beauté dans la précision de cette petite notation. C'est là où le flot déferle au rivage, Otikumat ep eionos kluzeskon, qu'apparaît à Achille l'ombre de Patrocle mort. Mais la mer est aussi dans l'ordre du temps le cercle que referme autour du présent, passé et avenir. Toute l'histoire y commence. C'est sur son large dos que sont venus les Achéens et qu'avant cela, Paris Alexandre a ramené Hélène à Troie, déclenchant l'irréparable. C'est d'elle donc, ex Alos, que naît la séparation entre la cité en paix et la cité en guerre représentée sur le bouclier d'Achille. Et c'est la tentation du retour qui, à plusieurs reprises, assaille les Achéens. Achille, lorsqu'il refuse au champ neuf les présents de réconciliation d'Agamemnon. Demain, tu pourras voir mes nefs voguant au petit jour sur l'Hellespont poissonneux. Ou Agamemnon, lorsque le défaitisme le saisit, au champ 14. Tirons les nefs d'avant, celles qui ont été halées au bord du flot, toutes, tirons-les à la mer divine. Au bout de la mer, il y a le retour vers la terre de la patrie, Philaenes Patrida Gaian, qui sera la récompense rare des survivants et l'épreuve d'Ulysse. C'est donc, en fin de compte, l'horizon temporel du poème, où l'Iliade commence et où elle va s'achever pour se poursuivre en Odyssée. Ce lien entre les deux épopées, suggéré encore par la métaphore récurrente, qui compare la bataille, sujet de l'Iliade, aux vagues de la mer, lieu à venir de l'Odyssée. Ainsi, sur la rive sonore, la houle de la mer en vagues pressées bondit au branle du zéphyr. Elle se soulève au large d'abord, puis s'en vient briser sur la terre dans un immense fracas, dressant sa crête en volute autour de chaque promontoire et crachant l'écume marine. L'Iliade ou le poème de la force, c'est le titre du long article déjà cité de Simone Veil. Poème de la force sans doute, mais non pas exaltation de la force. Et d'abord poème de la mort, décrite dans ce qu'elle a de plus atrocement trivial, avec une anatomique précision. Dans la chanson de Roland, par exemple, quand les preux jouent de l'épée,
la mort est beaucoup plus stéréotypée. À l'image de ce païen que pourfend Olivier, il lui coupe le crâne en deux par le milieu, lui fend le corps et la brogne laquée or, et la bonne selle aux gemmes serties dans l'or, et tranche l'échine du destrier. Il les abat, morts tous deux devant lui dans le pré. C'est une mort excessive, presque une mort de bande dessinée. Dans l'Iliade, on ne quitte pas la vie comme ça, comme un homard coupé en deux. C'est beaucoup plus compliqué et horrible et vrai. Le bronze passe droit à travers les dents et coupe la racine de la langue. L'homme croule dans la poussière et ses dents se ferment sur le bronze froid. Image terrible que Chateaubriand, qui avait toujours son petit Homère grec en poche, retrouvera en évoquant au début des mémoires les têtes coupées brandies sous ses fenêtres en 1789. La pique traversait la bouche ouverte dont les dents mordaient le fer. Mort du Troyen Érymas. La lance du bronze s'ouvre un chemin tout droit, profondément, sous le cerveau, et elle brise les os blancs. Les dents sautent sous le choc, les deux yeux s'emplissent de sang. Mort d'Ilioné, autre Troyen. Pénéléos le frappe au-dessous du sourcil, aux racines de l'œil, et lui enlève les prunelles. La lance passe à travers l'œil et la nuque. Pénéléos, alors, tire son glaive aigu, frappe en plein coup, et fait chair et fait choir sur le sol la tête avec le casque. La forte lance toujours fixée dans l'œil. Simone Veil ne trouvait pas ces descriptions poétiques, et il est certain que Lamartine n'aurait pas écrit ça. De temps en temps, d'ailleurs, on trouve de la poésie au sens où l'entend sans doute Simone Veil. Voici la mort de Gorgythion, l'un des 50 fils de Priam, que frappe une flèche. Tel un pavot dans un jardin penche la tête de côté sous le poids de son fruit et des pluies printanières. Tel il penche son front par le casque alourdi. Mais c'est rare, les morts fleuries. La règle, c'est l'atroce carnage, Aeneid et Iotès. Tête coupée qu'on envoie rouler chez l'ennemi. Cervelle qui sourd sanglante du casque brisé. Moelle qui jaillit des vertèbres. Lance plantée dans le cœur qui bat avec le cœur mourant. Fuir ne fait qu'ajouter le déshonneur à l'horreur. Voici comment finit le Troyen Harpalion. Une flèche le frappe à la fesse droite. Le trait s'ouvre un chemin tout droit par la vessie, sous l'os, et l'homme s'affaisse dans les bras des siens, expirant. Il gît là, comme un ver, allongé sur le sol. Son sang noir coule et va tremper la terre. Et Hypsénor, un autre Troyen. Eurypyle, le glorieux fils d'Evenon, s'élanche à sa poursuite et, de sa courte épée, le frappant à l'épaule, tranche le bras pesant. Le bras tombe à terre, sanglant, et dans les yeux de l'homme entre en maître la mort rouge et l'impérieux destin. Porphyreos Thanatos, que Moira crataillé. C'est ainsi qu'on besogne dans la mêlée brutale, os oimen poneonto kata krateren usminen. La bataille est un ponos, une peine, une souffrance. Il faut pour la dire des mots cruels comme des blessures. C'est précisément cela, cette brutalité des mots pour dire la violence, qui est poétique, dans un sens moderne, le contraire d'éthéré. Le sang jaillit en éclaboussures sous les sabots des chevaux et sous les jantes des roues. Et là, l'image que m'évoque ce vers, c'est le cheval monstrueux, noir, hérissé, monté par une furie, qui vole au-dessus des cadavres sur le tableau du douanier Rousseau intitulé « La guerre ». Ayant abattu un ennemi, Agamemnon lui met le pied sur la poitrine pour tirer sa pique de frêne. La mort a des gestes atrocement banals, des gestes de paysan tirant sa fourche d'une botte de foin qu'il faut décrire avec exactitude. C'est comme ça, nulle civilisation, les mots sont carnassiers, comme les javelines désireuses de se repaître de la chair, l'ilaeum enarchos assai, et cette fois cette soif de sang presque autonome prêtée aux armes, me fait penser à un récit de Borges, La Rencontre, qui raconte un duel à mort au couteau. Où ce sont les armes qui combattirent, et non les hommes.
dans le sommeil de leur acier, veillait une rancœur humaine. Dans l'Odyssée, il n'y a que de faux combats, ou bien alors, quand ils sont véritables, celui contre les Kikones au champ neuf, ils ne sont qu'évoqués. Le temps des héros est passé. Le massacre des prétendants s'apparente plus à une scène de pêche au thon qu'à un combat entre guerriers. Dans cet épisode, ce qui est magnifique, ce sont les vaticinations du devin Théoclymène avant la tuerie. Pauvres gens, à quel mal êtes-vous donc en proie? De la tête aux genoux, la nuit vous enveloppe. Elle note vos visages. Elle noie vos visages. Je savais que tu allais me reprendre à un moment. Eh oui. Et je me demandais à quel moment. Mais il est venu ce moment-là. Allez, continue. Pauvres gens, à quel mal êtes-vous donc en proie? De la tête aux genoux, la nuit vous enveloppe. Elle noie vos visages. Sous vos sanglots ardents, vos joues fondent en larmes. Je vois le sang couler au mur, aux belles niches. Et voici que l'auvent se remplit de fantômes. Là, on est dans Shakespeare, et plus précisément dans Macbeth, acte 2, scène 3. Quel déchaînement cette nuit! Là où nous dormions, le vent faisait voler les cheminées. Et on nous a dit qu'il y avait des plaintes dans l'air et des cris de mort étranges, et qu'on a pu entendre à longueur de nuit l'oiseau de la ténèbre prophétiser de ses clameurs abominables le désordre et les calamités qui vont éclore. La bataille finale avec les familles d'Ithaque est vite arrêtée par Athéna, comme si Homère était pressé d'en finir en queue de poisson. Le combat du mendiant Hyros et du faux mendiant Ulysse au champ 18 est une caricature d'un combat de l'Iliade avec insultes et rodomontades préalables. Je m'en vais travailler des deux mains pour lui faire cracher toutes ses dents à terre comme on fait d'une truie qui fouge dans les blés. J'avoue que Bérard, enfin sa traduction, m'a appris l'existence du verbe fouger, qui ne se dit apparemment que pour les truies ou les sangliers qui fouillent dans les blés. L'Odyssée, parfois, annonce la comédie. Le mélange du grotesque et du sublime n'est pas complètement une découverte romantique. Le farcesque n'est pas non plus absent de l'Iliade. Dans l'épisode de Tersite, par exemple, ou bien quand Ajax, sur le point de gagner la course des Jeux funèbres en l'honneur de Patrocle, s'étale dans la bouse de vache qui lui emplit le nez et la bouche. Même les interminables radotages du vieux Nestor me semblent comiques. Ah, si j'étais encore jeune. Mais là, je ne suis pas sûr que cela corresponde aux intentions d'Homère. Mais l'humour est plus à son aise dans l'Odyssée, parce que l'Odyssée est plus plébéienne que l'Iliade. On n'ira pas jusqu'à dire plus démocratique. Ceux qui aident Ulysse à reconquérir son pouvoir sont à côté de Télémaque une vieille servante, un porcher, un bouvier. Et le premier à le reconnaître est un chien. Même lui, tout vainqueur de Troie qu'il est, se coule avec aisance dans son rôle de mendiant. Il est, pour Citati, le premier des valets de comédie, des Figaro qui, pendant 2000 ans après lui, traverseront lestement, jamais désespérés, jamais domptés, la scène compliquée et farcesque du monde. Ce n'est pas néanmoins qu'il n'arrive à l'Odyssée d'être atroce, comme lorsqu'Ulysse triomphant, pendant qu'on lave le mégaron du sang des prétendants, fait pendre les 12 servantes infidèles. Forfait, suivi par le supplice plus ignoble encore, infligé au chevrier Mélantios, et qui semble faire pendant, à la fin de l'Iliade, à l'égorgement des jeunes Troyens, au nombre de 12 eux aussi, sur le bûcher de Patrocle. Mais ces sacrifices humains, d'ailleurs désignés comme caca erga, des œuvres mauvaises, sont le fait d'Achille le furieux, dans l'Iliade, nom d'un héros dont l'un des qualificatifs est l'avisé. Scène d'une rare cruauté que rendent encore plus sinistre peut-être, d'extrême délicatesse
de la langue qui les dit. Grive aux larges ailes, colombe qui voulait regagner votre nid, vous donnez au filet dressé sur le buisson et vous voilà couché au sommeil de la mort. Ainsi, têtes en ligne et le lacet passé autour de tout l'école, les filles subissaient la mort la plus atroce et leurs pieds s'agitaient un instant, mais très bref. Ces pieds qui s'agitent un instant, mais très bref, minun taper, utim aladen, comme aussi l'éponge aux mille trous, spongos polutritos, tretos, qui sert à effacer les traces du carnage, voilà encore l'extraordinaire précision de la langue homérique. Ce déchaînement final d'une violence bien éloignée du kudos, du kléos, de la timée, enfin de l'honneur et de la gloire chère aux héros de l'Iliade, fait d'Ulysse une figure plus douteuse et partant aussi plus moderne que celle des protagonistes de la première épopée. Les combats des héros de l'Iliade tirent un surcroît de force du fait de n'être que la préfiguration, la préparation du combat suprême, celui qui va opposer Achille à Hector. Homère le met en scène, il n'y a pas d'autre mot, avec une efficacité terrible. Alors que tous les autres duels se déroulaient en avant ou au sein de la mêlée générale, cette fois les deux protagonistes sont seuls, dans un espace nu sous le regard des deux camps, les Troyens sur le rempart, les Achéens à distance dans la plaine. Et ce combat est une acmé dramatique, non parce que Achille et Hector sont les meilleurs guerriers de leurs camps respectifs, mais parce qu'ils sont absolument différents. Achille est monstrueux, Pelorios, il est l'homme fatal, Oulos aner, il est tout égarement, toute violence, Atastalos, Obrimo Ergos, l'homme couronné de flammes dont le seul terrible crime est en fuite une armée. Il me fait penser au personnage du conquistador frénétique joué par ce cinglé de Klaus Kinski dans le film de Werner Herzog, Aguirre, la colère de Dieu. Sa violence est si grande qu'elle en devient intemporelle. Le poète anglo-américain Auden imagine que pour lui plaire, Héphaïstos grave sur son bouclier non les deux cités que décrit le chant 18, mais des scènes de la barbarie moderne telles que les a enfantées le XXe siècle des guerres mondiales et des totalitarismes. Et dans le roman Cassandre, écrit par l'écrivaine est-allemande Christa Wolf sous la menace de la guerre nucléaire, il est toujours désigné comme Achille la bête. Et cependant, Achille n'est pas une pure machine à tuer. Il y a une paille dans ce cœur de fer. Avant la scène dramatique où il accède à la supplication de Priam, il montre un visage humain en deux circonstances. Quand devant Phénix, Ajax et Ulysse envoyés pour tenter de fléchir sa colère, une phrase étonnante lui échappe. Il n'est rien pour moi qui vaille la vie. À quoi fera écho au chant 11 de l'Odyssée, la plainte proférée par son ombre dans l'Hadès. J'aimerais mieux valet de bœuf, vivre en service chez un pauvre fermier qui n'aurait pas grand-chère, que régner sur ses morts, sur tout ce peuple éteint. Aveu qui semble en contradiction avec le choix qu'il a fait de périr au terme d'une vie courte ou glorieuse, mais François Hartog nous en dira plus, je crois, sur cette mort héroïque, dont je me contente, moi, de suggérer, sans craindre une fois de plus le coq à l'âne, qu'une version moderne et bourgeoise sera celle donnée par Balzac dans La peau de chagrin. Et après tout, ce rapprochement Homère-Balzac, Baudelaire aussi le fait lorsqu'il prétend à tort que les héros de l'Iliade ne vont qu'à votre cheville, au Vautrin, au Rastignac, au Birotteau. Humain, Achille l'est encore quand l'âme de Patrocle mort ou son fantôme, en tout semblable à l'apparence du vivant, vient à lui dans la nuit. Tu dors, et moi tu m'as oublié, Achille. Et à cette tête chérie, il répond avec des mots d'amoureux. Viens plus près de moi, qu'un instant au moins, aux bras l'un de l'autre, nous jouissions de nos tristes sanglots. Achille tend les bras, mais l'ombre est aussi insaisissable que le sera celle de la mère d'Ulysse, Anticléa,
dans l'épisode de l'Odyssée connu sous le nom de Nekuya, dont parlera, je crois, Yannick Enel. À l'autre bout de la langue grecque, Cavafis se souviendra sûrement de ses vers de l'Iliade en évoquant le souvenir d'un amant. Reviens et prends-moi. Quand se réveille la mémoire du corps et qu'un ancien désir renaît dans le sang, quand les lèvres et la peau se souviennent et que les mains croient toucher de nouveau. Surtout Achille sait qu'il mourra sous les murs de Troie, et cette préscience de sa fin prochaine crée en lui parfois, rarement, une fugitive et très paradoxale et troublante proximité avec ses victimes. Il tue, mais fraternellement, si on peut dire. C'est le sens, cela pourrait au moins être le sens, de cette étrange et magnifique réplique au jeune Lycaon qui le supplie de l'épargner. Va, mon ami, meurs à ton tour. Alain, Philos, Tané, Caïssu. Moi-même, tu le vois, je suis beau, je suis grand, je sors d'un noble père, une déesse fut ma mère, et néanmoins la mort est sur ma tête et l'impérieux destin. Et il a ensuite cette exclamation stupéfiante. Tous à mort, et cela jusqu'à l'heure où nous aurons atteint la ville sainte d'Ilion. Oui, tous. Et autant que vous qui fuyez, moi qui me rue sur vos pas. Sauvage marque d'égalité que la mort jette entre les hommes. Bien différent et plus complexe est Hector. Je dois dire que pour moi, en dépit de ce qu'annonce son premier vers, l'Iliade est le poème de la mort d'Hector plutôt que de la colère d'Achille, et j'aimerais penser, mais je me trompe sans doute, qu'Homère, quel qu'il soit, était de mon avis. Hector est un personnage non pas épique comme Achille, mais presque romanesque à plusieurs égards. Jacqueline de Romilly remarque qu'il est le seul personnage de l'Iliade qui soit présenté dans le cadre de ce qu'elle appelle une vie normale. Il a une femme, Andromaque, et un fils, Astyanax, et la scène dite des adieux, avec l'enfant effrayé par le cimier du casque et le fameux rire en pleurs d'Andromaque, d'Acrioen Gelasasa, n'est pas la moins émouvante de l'Iliade. Racine avait noté au crayon, paraît-il, en marge de cette scène, image admirable, et on ne le contredira pas. Surtout, son imperfection, à Hector, au regard d'une norme héroïque, ne cesse d'éclater. Il a beau être le grand Hector au casque étincelant, Coruthaiolos Hector, il connaît la peur, il tremble devant Ajax, il fuit épouvanté lorsqu'Achille approche et fait en courant devant lui trois fois le tour d'Ilion. Lors des combats singuliers qu'il oppose hors des lignes aux champions achéens, Ajax, Diomède, il n'est sauvé que par l'intervention d'Apollon. Et c'est sans gloire qu'il triomphe d'un Patrocle désarmé et blessé. Il montre pour Hélène une bienveillance qu'elle n'a pas pour elle-même. Et la façon dont elle pleure sa mort, évoquant sa douceur, Aganophrosune, rappelle la tristesse de Briséis devant le cadavre de Patrocle, désigné lui aussi comme un doux, Meilikos, qualité peu partagée par les héros de l'Iliade. Lorsqu'un mauvais présage devrait le dissuader d'attaquer le camp achéen, il s'entête, arguant qu'il n'est qu'un vrai, un bon présage, c'est de défendre son pays. Pensée qui semble d'une modernité anachronique dans le monde de roitelets prédateurs de l'Iliade. Elle étonnerait moins dans l'oraison funèbre des soldats morts que Thucydide prête à Périclès. Hector a le pressentiment de sa fin, de la chute inéluctable de Troie et du sort qui attend Andromaque, qui elle-même, lorsqu'il la quitte à la fin du chant 6, ne croit plus qu'il puisse rentrer du combat. C'est un héros mélancolique, presque romantique. Attendant Achille au pied du rempart, il hésite, il regrette de n'avoir pas suivi les conseils de prudence qu'on lui prodiguait. Il craint d'avoir, par sa folie, perdu son peuple. Envisage d'offrir à son adversaire une paix honorable,
comprend que c'est inutile. C'est ainsi qu'il songe, attendant. Os orvaine menon. C'est un héros qui songe. Alors que bientôt, épouvanté, il va prendre la fuite devant l'éblouissante mort qui fond sur lui. Cette songerie d'Hector, dans laquelle Pierre Vidal-Naquet voyait, avec peut-être un peu d'excès, l'invention du monologue intérieur. Donc cette songerie d'Hector est admirable, par quoi il se situe décidément hors du monde de la pure force. Comme est admirable aussi le détail que donne Homère pour reposer son bras, il appuie le bas de son bouclier contre une saillie du rempart. C'est un homme qui va mourir, un homme qui rêve, qui doute, qui est accessible à la fatigue et à la peur, un homme qui n'a plus rien de monstrueux. Deux réflexions encore à propos de ce terrible chant 22. Hector fuit, puis il se ressaisit et affronte Achille. La pudeur stoïcienne n'avait pas encore été inventée, écrit Borges dans le récit intitulé L'auteur, et Hector pouvait fuir sans déchoir. Je crois que Borges se trompe. Dans l'Iliade, il n'est nullement conforme à la timée, à la gloire de fuir. Et c'est justement cette défaillance qui rend plus émouvant le courage final d'Hector. Je ne veux plus te fuir, fils de Pélée. C'est fini. Dans les Mémoires d'Outre-Tombe, Chateaubriand consacre un chapitre à la mort de Murat, qu'on ne peut guère soupçonner d'être un pleutre. Emprisonné sur la côte de Naples, il apprend sa condamnation à mort, il pleure. Puis il se ressaisit. Murat voit charger les armes, refuse de se laisser bander les yeux, choisit lui-même, en capitaine expérimenté, le poste où les balles le peuvent le mieux atteindre. Couché en joue au moment du feu, il dit « Soldat, sauvez le visage, visez au cœur. » Le courage, pas plus que l'amour dans Carmen, n'a jamais connu de loi. Et alors, pendant qu'Hector fuit devant Achille, une vision poignante. Il passe devant les deux sources du Scamandre, l'une chaude, l'autre glacée. À côté sont de larges et beaux lavoirs de pierre, où les femmes et les belles filles de Troie lavaient leurs vêtements brillants, jadis, au jour de la paix, avant que vinssent les fils des Achéens. Scène qu'anticipait celle des deux cités sur le bouclier d'Achille, la cité en guerre et la cité en paix. Évocation des jours heureux au moment où le malheur de la guerre arrive à son comble, en quoi se concentre toute l'âpre mélancolie de l'Iliade. Dans sa fuite mortelle, Hector a-t-il la vision des belles lavandières d'autrefois, aussi gracieuses que le seront, dans l'Odyssée, Nausicaa et ses suivantes, lorsqu'Ulysse, lui, échappera à la mort. Et Nausicaa vient à point pour m'inviter à revenir, à la fin, à l'Odyssée que j'ai un peu négligée injustement. Si, comme nous le montrera, je crois, Barbara Cassin, des épisodes de l'Odyssée sont assez iconiques pour être fixés en images, il n'en reste pas moins que c'est un poème résolument déroutant, insaisissable, chatoyant, comme le suggère le titre de Pietro Citati, et je dirais plutôt ondoyant, adjectif, qui dit la même chose en évoquant en outre le mouvement infini des flots qui portent Ulysse et en suggérant une idée de tromperie. Contrairement à l'Iliade, qui se déploie dans un temps bref et continu, dense, une cinquantaine de jours, l'Odyssée se déroule dans un temps long et disparate, une dizaine d'années entre le départ de Troie et le retour à Ithaque, mais segmenté entre de très longues périodes où il ne se passe rien. Ulysse passe 7 ans chez Calypso, 1 année chez Circé, et des séquences très rapides et mouvementées. L'essentiel des épisodes qu'il raconte chez Alcinoos tient en peu de jours, comme le temps qui sépare le début du poème, la télémachie de sa fin, le retour d'Ulysse à Ithaque. Une quarantaine, 40 jours ou 41 jours, je n'ai pas bien. Je n'ai pas, je
suis pas sûr de mon décompte. Une quarantaine de jours, en tout cas. Et ces zigzags sur la mer font passer Ulysse par une variété de régimes temporels. Le temps des ombres qui peuplent la maison d'Hadès aux profondeurs du monde n'est pas le même, à supposer qu'il soit un temps, que celui des cyclopes qui semblent vivre dans un âge archaïque, ou que celui des phéaciens qui est une sorte d'âge d'or immobile où les arbres portent des fruits toute l'année, ni encore que le temps de la guerre de Troie d'où vient Ulysse. Et ce qui complique la chose, c'est que l'histoire que conte l'Odyssée se déroule parfois simultanément, parfois non, selon trois lignes de récits distinctes qui se rejoignent au chant 16. Le voyage de Télémaque à la recherche de nouvelles de son père, à la recherche en somme de l'Odyssée, les errances maritimes d'Ulysse et les événements à Ithaque, seul point fixe où tout va se nouer. Si le nom d'Homère signifie « celui qui assemble », son génie d'assembleur éclate dans la façon qu'il a de lier cette gerbe et qui prend la forme de nombreux récits dans le récit, formant comme des boucles temporelles cousant les temps différents. Parfois, des récits sont enchâssés dans le récit, comme celui du vieux de la mer, Protée, dans le récit de Ménélas à Sparte, qui est comme une sorte de maquette de ceux chez Alcinoos. Ménélas, qui met 8 ans à revenir de Troie, semblant une ébauche d'Ulysse, et Protée, qui lui dira la route, la longueur des trajets, et comment revenir sur la mer aux poissons. Semblant une préfiguration de Circé. Parfois, le plus souvent, ces récits nous renseignent sur des événements passés, l'histoire du cheval de bois ou bien le meurtre d'Agamemnon. Parfois, c'est ce qui va advenir qui est annoncé. Le retour de Ménélas à Sparte par Protée, les vaches du soleil, les prétendants par Tirésias, les prétendants encore par Hélène qui est un peu magicienne. Et pour en remettre sur cette complexité, il y a encore les récits mensongers qu'Ulysse multiplie à Ithaque, qui sont autant d'esquisses de fausses odyssées, nous invitant, si on a l'esprit moderne, c'est-à-dire soupçonneux, mal tourné, à douter de la véracité de celle qui nous est donnée comme vraie, ou au moins à envisager un instant cette hypothèse. Dans un article sur les odyssées dans l'Odyssée, Italo Calvino suggère que les pérégrinations qu'Ulysse déguisé raconte au porcher Eumée, puis à Antinoos, puis à Pénélope elle-même, sont des histoires de naufrages et de pirates beaucoup plus vraisemblables que celles qu'il a contées au roi des Phéaciens, qui nous dit que ce n'est pas là la véritable Odyssée. D'autant que de faux Ulysse apparaissent dans ces récits réputés mensongers, qui reprennent des fragments de l'Odyssée supposée véritable. La fin de l'Odyssée n'en est pas une, en 2 sens au moins. Elle est si mal et vite expédiée qu'on ne peut qu'être d'accord avec Citati, qui estime que le second Homère, complexe, coloré, compliqué, qui aime les détails, les délais, les relations, qui vit de connexions, ne peut avoir composé cette pâle continuation. Athéna impose par miracle la paix et Ulysse en est tout joyeux. Si vraiment le retour à Ithaque est synonyme de cette soudaine platitude, alors on comprend que tant d'auteurs aient par la suite imaginé un Ulysse dégoûté de cette vie et reprenant la mer, comme Tennyson dans son poème Ulysses, Kazantzaki dans sa gigantesque odyssée de 33 333 vers, Cavafis dans sa plus modeste seconde odyssée, sans parler de Dante, qu'il imagine au chant 26 de l'Inferno, négliger Ithaque et mettre le cap, à peine quitter l'île de Circé vers le soleil couchant et toutes les stèles du pôle austral. Mais René de Secati nous en dira sûrement plus sur l'Ulysse de Dante. Mais surtout, l'Odyssée dit elle-même, on l'a vu par la bouche du devin Tirésias, que sa fin n'est pas la fin,
Ulysse devra repartir, sa rame à l'épaule, jusqu'à un pays dont les habitants ignorent ce qu'est la mer, la Creuse peut-être. Ce dernier voyage est annoncé, mais pas raconté. Cette ellipse est encore un trait qui lie les deux poèmes homériques. Dans l'Iliade aussi, ce qui est annoncé, la mort glorieuse d'Achille, la chute de la Sainte Ilion, n'advient pas dans le temps du poème. Homère invente la fin sans fin. Aucun grand génie n'a conclu, écrit Flaubert. Et aucun grand livre ne conclut, parce que l'humanité elle-même est toujours en marche et qu'elle ne conclut pas. Homère ne conclut pas, ni Shakespeare, ni Goethe, ni la Bible elle-même. Et c'est ainsi que je conclus.